Bonjour les scorpions, bienvenue pour ce tirage du mois de janvier 2025. C'est un tirage qui, comme à l'habitude, aura une partie plus générale, une partie plus sentimentale. Vous allez voir, les cartes vont se toucher, communiquer. Certaines vont vibrer beaucoup pour vous, d'autres moins. Je vous demande bien sûr de toujours garder votre bon jugement. Surtout, j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Je tiens en ce début d'année à vous souhaiter une belle année 2025 avec la réalisation de vos souhaits, de vos désirs. J'avais également ajouté une petite touche de magie, donc il y aura une étoile filante durant la vidéo. Donc, soyez vigilants, quand l'étoile passera, vous pourrez faire un vœu. Je le fais déjà pour ceux qui sont habitués à ma chaîne et sur mes tirages de fin de semaine. Donc, je vous invite à être attentif et nous débutons avec le chercheur de sens. Je vais mettre quelques cartes et nous allons par la suite analyser. La femme mature. Oh, le geste audacieux. Montrer ses émotions. Deux cartes. L'indépendance et la charge mentale. Des fondations solides, une charge de messages. Il y a beaucoup de charges ici. Donc, on va débuter l'interprétation avec ce qui est en haut. C'est plus général, pro, financier, relations humaines en général. Ce qui est ici en bas, c'est le plus sentimental. Et vous allez voir, on va couvrir pour faire le tableau du mois qui soit le plus complet possible pour vous. La première carte qui est sortie, c'est le chercheur de sens qui va vous aider à trouver une information, à comprendre pourquoi quelque chose est arrivé et qui va vous aider à trouver ce sens-là, une femme mature qui est plutôt indépendante. Mature, écoutez, c'est relatif, c'est pas nécessairement l'âge. Ici, on voit une personne qui est un peu plus avancée en âge, mais c'est pas que ça. Des fois, une femme mature, c'est une personne qui a appris beaucoup dans la vie, qui est capable de voir le sens des choses qui nous arrivent. Et c'est un peu ce que je pense que vous avez besoin de faire pour cette première ligne-là. Des fois, c'est de trouver un sens à pourquoi on s'est endetté, trouver un sens pourquoi on a, je sais pas moi, un travail a changé, on a changé d'équipe, et tu sais, il s'est passé quelque chose, et là, on cherche le sens, on sort notre grosse loupe, on regarde le détail, on analyse, on fait peut-être des listes. Ce que je vois aussi, si vous cherchez quel est ce sens-là, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup mentalement. Donc, il y a une charge mentale et une charge de message. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont donné leur avis, qui vous ont donné des informations. Vous avez l'impression d'avoir la tête qui roule à 120 à l'heure, la tête pleine. Vous avez beaucoup de choses à gérer et je pense que ça, si vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive, cette situation-là, c'est là qu'il faut chercher le sens et se rapprocher de cette femme mature qui va pouvoir vous guider. Parfois aussi, la femme mature, bien, c'est vous, la personne autour de vous, votre conjoint-conjointe, une sœur, donc une personne qui est autour, qui nous aide dans tout ça. L'indépendance aussi, ça peut être une personne qui marche seule, hein, autour de vous. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous cherchez le sens. Ça vous préoccupe beaucoup pourquoi cette indépendance-là. Certains vous disent, ben, c'est parce qu'il ou elle ne veut pas être entouré, veut être seul. Et là, vous vous demandez qu'est-ce qu'il y en est. Donc ça pourrait être un message également parce que l'indépendance est quand même en plein centre de votre ligne. Donc c'est général, comme je vous dis, on va couvrir par la suite. Pour ce qui est plus sentimental, on a le geste audacieux. Et quel est ce geste audacieux-là? C'est de montrer ses émotions parce que vous voulez une fondation solide. Peut-être avez-vous rencontré une personne, vous avez commencé à vous fréquenter, vous êtes dans les balbutiements de la relation. Et là, vous dites, bien, j'aimerais passer à l'étape supérieure, qui est une fondation plus solide, donc d'avoir quelque chose qui va durer dans le temps, qui est pérenne. Et qu'est-ce que vous allez faire audacieusement? C'est de montrer vos émotions, de le dire que vous avez de l'attirance. Parce que je pense que si vous ne montrez pas vos émotions, vous ne faites pas de gestes audacieux, cette fondation solide-là va être très longue à venir ou ne viendra peut-être pas du tout. Vous avez besoin de poser quelque chose. Je vous dis, vous, est-ce que c'est la personne en face de vous qui va montrer ses émotions pour une fondation solide possible aussi, et cette personne-là, ce sera d'une façon audacieuse qu'elle va l'avoir faite. C'est quand même la première carte qui est sortie dans cette ligne, qui est plus sentimentale. OK, l'émulation. Ce que je vois ici, l'émulation, c'est qu'on s'élève par
parce qu'il y a quelque chose qui réussit, qui fonctionne bien, on est satisfait d'une situation, de ce qui se passe, et je la place en plein centre. Je pense que ce sera le cœur de votre mois. Les scorpions, on dit mois de janvier, quelques semaines avant, quelques semaines après. Regardez comme vous allez vous élever. Est-ce que certains d'entre vous avaient une fondation solide, hein, un mariage, peut-être vont se libérer de ce mariage-là, vont retrouver leur indépendance et vont se sentir comme la jeune fille élevée. Parce qu'on était dans une situation qui nous convenait moins, on avait besoin de retrouver une certaine indépendance et des fois, sans se séparer complètement, juste de dire, bien, je retourne travailler, je reprends du temps pour moi, je pose des gestes qui m'amènent à m'élever autrement. Peut-être aussi aviez-vous tellement une grande charge mentale, là vous avez besoin de montrer vos émotions par rapport à tout ça et vous allez vous élever quand vous allez être capable de dire, bien, il faut que je me libère, c'est trop lourd, j'ai de la difficulté à fonctionner et là ça m'élève, ça m'amène à aller plus loin. OK, le recommencement. Oui. Il y a non seulement une émulation, on s'élève, mais il y a un recommencement. Pourquoi? Peut-être que cette fondation solide-là, vous vous en étiez éloigné. Il y a beaucoup de gens, comme je vous dis, qui donnaient des informations ou peut-être vous avez commencé à discuter avec quelqu'un. La charge de message aussi, parfois, c'est de dire on parle, on échange des messages, des petits textos, des SMS. Et cette charge de message-là fait qu'on recommence une communication et là, c'est beaucoup plus solide. Peut-être aviez-vous cessé une communication, aviez-vous eu de l'éloignement, il y avait eu un silence radio pendant une période et là, on recommence à se parler et ça va bon train. Je pense que le recommencement est plus fort. Je vais regarder qu'est-ce que je pourrais mettre ici comme carte. OK, un vent de changement. Donc oui, qu'est-ce qui fait que les choses recommencent? C'est qu'il y a des choses qui ont changé. C'est ça le vent de changement. C'est vraiment le moulin. Les pales recommencent à tourner. J'ai l'impression que le moulin est tourné vers l'année 2025. On est en train de voir que quelque chose est en train de changer. Est-ce que c'est une relation qui est en train de changer? Notre façon de faire, notre façon de communiquer, mais c'est ce vent de changement-là qui va faire qu'on va pouvoir recommencer, se sortir peut-être de la charge mentale et de faire même du classement dans tous ces messages qui rentrent, de voir qu'est-ce qui nous revient, qu'est-ce qui nous revient pas, qu'est-ce que l'on souhaite garder ou non. Donc, je pense que ce vent de changement-là a quelque chose de très important à voir. Beaucoup de ressentis. Non seulement on vous invite à faire un geste audacieux avec vos émotions, mais d'aller avec vos ressentis par rapport à de l'indépendance. S'il y a quelqu'un autour de vous qui est très indépendant, vous vous demandez si la personne a des sentiments pour vous, peut-être que vous allez devoir écouter vos ressentis et faire un geste audacieux pour montrer vos émotions. Écouter ses ressentis, c'est de savoir quand est le bon moment. Quels sont les bons mots? Vous savez, des fois, on écrit à quelqu'un, si c'est par écrit que vous allez faire votre geste audacieux, parfois on écrit à quelqu'un et là, on se demande, est-ce que c'est le bon mot à mettre? On recule, on avance. Donc, là, on est en train d'écouter nos ressentis. Il n'y a personne qui nous dit quoi écrire, c'est nous avec nous-mêmes. Donc, on a besoin de s'imprégner de tout ça et peut-être même de chercher un sens. Pourquoi on a eu beaucoup de ressentis par rapport à une fondation solide? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez, ce que vous avez eu, ce que vous désirez avoir? Tu sais, il y a quelque chose ici avec cette roche, cette pierre-là qui dure dans le temps, qui peut seulement être polie avec l'eau, avec les années, sinon elle reste là, elle est présente. Donc, c'est ça vraiment une fondation solide. Est-ce que vous l'avez perdu, cette fondation solide-là, ça vous a fait quelque chose et vous avez le goût de le dire? Parce que vous vous dites, tant que je ne le dirai pas, je ne pourrai pas m'élever et avoir un nouveau recommencement et provoquer un vent de changement. Ça peut être un message aussi qui me vient, qui peut peut-être vous parler. Donc, OK, l'expérience. Ici, on a la femme mature, l'expérience. Écoutez, il y a quelque chose qui fait que vous allez agir différemment que vous auriez agi peut-être il y a quelques mois, quelques années. Vous allez puiser dans votre expérience de vie pour trouver un sens et de savoir exactement comment faire un geste audacieux. Peut-être que vous n'auriez pas fait ça il y a quelques années, vous n'auriez pas osé, ou même quelques semaines, quelques mois, et là, avec toute votre expérience, vous vous dites, bien, si rien ne bouge, je ne pourrai jamais avoir ce que je veux, je ne pourrai pas m'élever comme ça. Donc, avec mon expérience, oui, je vais bouger des choses, j'y vais avec mes ressentis, en montrant mes émotions, et là, je peux avoir un nouveau recommencement qui m'élève vraiment. Vraiment comme je le souhaite, comme je le veux. Mais cette expérience-là va être quelque chose de précieux.
un désir de croissance, oui, c'est ça que je vois. Oui, au-delà du besoin de s'élever, on a un désir de croissance, un peu comme une plante, hein, finalement, qui ne va pas rester graine longtemps, qui va croître. Elle a besoin de lumière et d'eau. Vous avez besoin, je pense, de montrer des émotions, de peut-être recommencer quelque chose, vous débarrasser d'une charge mentale, et ça va vous faire croître. Parce que regardez, le scorpion a un désir de croissance par rapport à quoi? Encore l'instinct, les ressentis, l'instinct. Je pense que vous allez être beaucoup dans l'écoute de vous-même durant ce mois et c'est quelque chose de gagnant. C'est instinctif, le geste audacieux que vous allez faire. Vous allez vous dire, je me suis écoutée comme si c'était programmé à l'intérieur de moi, comme si je n'avais pas eu d'effort à faire et j'y vais comme ça, à l'instinct, je débarque, je fais mon geste audacieux, ça me permet de m'élancer, de m'élever et moi, le scorpion, je me sens beaucoup mieux. Je trouve un sens à tout ça, je puise dans mon expérience et j'avance. Deux cartes ici. Rompre ses promesses et communication en 5D. Je pense que ce qui fait le vent de changement, c'est qu'il va avoir une promesse rompue. Est-ce que c'est vous, quelqu'un en face de vous, qui va rompre une promesse? Des fois, on s'engage dans quelque chose et là, on a de la difficulté à s'élever. On a une grande charge mentale, c'est difficile. À partir du moment qu'on rompt la promesse, qu'on dit « je laisse aller », c'est beaucoup plus léger, ça me permet de recommencer et peut-être de trouver de l'indépendance. Il y a encore une belle ligne ici qui peut parler à certains. Et la carte qui était collée aussi, c'est la communication en 5D. Ça, pour vous expliquer, quand on communique en 3D, c'est dans le réel, on se parle, on se regarde, on est en face l'un l'autre. En 5D, on est chacun chez soi, on pense l'un à l'autre, on rêve de l'un de l'autre. Ça, c'est le type de communication qu'on a. Et je pense que peut-être que vous aviez plus de communication du tout, ça a peut-être été rompu cette communication-là, vous avez de la difficulté à parler à l'autre, mais vous vous dites « ok, je vais fonctionner autrement, je veux me remettre à penser à cette personne-là, je pense qu'il va y avoir un recommencement, je me sens mieux et je vais pouvoir aller vers mes ressentis et faire un geste audacieux ». Je pense que vous avez besoin de rompre quelque chose ou une personne en face de vous peut-être a rompu une promesse, vous avez dit qu'il allait aller avec vous, je ne sais pas, me prendre un café, ça peut être une petite promesse, pas nécessairement des grandes promesses de vie, ça peut être une petite promesse, mais il y a eu quelque chose de rompu et ça vous a peut-être permis de faire bouger des choses, même si ça a été moins facile de ce que je peux voir. Une petite dernière carte qu'on aura ici, ok, reconquérir. Vous, l'autre, veut reconquérir quelqu'un, vous voulez revenir sur des fondations plus solides, montrer vos émotions pour vous élever. Oui, je pense que c'est quelque chose d'important pour vous, cette reconquête, mais il va quand même y avoir la charge mentale qui n'est pas très loin. Il y a beaucoup à trouver un sens. Pourquoi je veux reconquérir ou je veux être reconquéri? Bien, à ce moment-là, c'est à vous de trouver ce sens durant ce mois, les scorpions. Alors voilà ce qui complète votre tirage. Donc si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je veux vous remercier si vous êtes déjà abonné, vous remercier de votre présence et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.